Bonjour la France sur Europe 1. Eh bien, on va répondre à toutes vos questions, on va interagir avec vous sur tous les sujets qui vous concernent. Et justement, est-ce que vous avez entendu parler de ça ? La ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. Oui, quand il s'agit des grandes questions philosophiques, certains lisent Platon, d'autres Confucius, et bien moi je me tourne vers Disney, la chanson L'histoire de la vie du Roi Lion. Qu'est-ce qu'une vie ? On naît, on meurt, et puis entre les deux on se demande qu'est-ce que je vais mettre, du ketchup ou de la sauce samouraï sur mon kebab. Mais la vie n'est pas si simple, on peut croire qu'avec l'âge nos capacités déclinent, mais... Selon le site cerveau et psycho.fr, qui a regroupé les résultats de 19 études scientifiques récentes, à chaque époque de la vie correspond une capacité cognitive ou affective auquel on se trouve vraiment mais au top. Donc, exemple, à 22 ans, eh bien, c'est à l'âge de la vie où on arrive le mieux à faire des puzzles, par exemple. Ah, voilà, ouais. C'est à 22 ans, c'est vraiment le top. Faut en profiter. Bon, donc c'est le moment. Alors qu'à 82 ans, c'est à ce moment-là que le niveau de stress et de soucis est le plus faible. Ah ouais. On peut vérifier tout ça. Par exemple, Bertrand, vous avez 28 ans. Oui. Et donc, selon ce papier, vous êtes au top en mémoire des visages à long terme. Alors, regardez-moi. Oui. Comment je m'appelle ? Daphné. Oui, bravo ! Oh, la médium. Ah ouais, c'est dingue. Ils ont raison. L'année prochaine, ça va changer. Eh bien, vous allez bientôt avoir 29 ans, ce qui correspond à l'âge où on a le fonctionnement optimal des fibres de substances blanches dans le cerveau. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me donne envie de vous lécher le cerveau. À 49 ans, qui est à peu près l'âge d'Ariel Wiesman, on est censé être au top dans notre culture générale, et ce n'est pas faux. Hein. Oui, c'est vrai. Tout comme 30 ans, l'âge de Matou, qui selon ce papier est l'âge où on est le plus à même d'établir un couple stable. Donc, allez-y, Matou, faites-vous. C'est pas trop. Mais oui. Faites-vous plaisir. Pondez un œuf. Français. Quant à moi, donc vers 35 ans, je suis censée avoir la mémoire des nombres qui est au sommet. Et là, c'est vrai que je me rappelle de plein de chiffres, comme celui entre le 5 et puis le 7. Il a une forme un peu d'escargot. Ah oui. L'escargot qui sort de sa maison quand il pleut. Je l'ai vu l'autre jour, celui-là. Ouais. C'est le 6, je crois. Hein. Ah oui, c'est ça. Je suis vraiment au top de ma forme. Chapeau. C'est bluffant. Non. Il y a deux chiffres que je connais bien, c'est le 10 et le 12, c'est normal. Nous sommes le 10-12 d'Europe 1, nous sommes là de 10h à midi, tous ensemble, quoi qu'il advienne. Et prenons des marées. Europe 1.